Elle va à la pension du Sacré-Cœur. C'est une belle fille qui est blanche. Elle vit en petite voiture sous les branches des bois pendant les vacances, au temps des fleurs. Elle descend le coteau doucement. Sa charrette est petite et vieille. Elle n'est pas très riche et elle me rappelle les anciennes familles d'il y a 60 ans. Gaie, bonne et honnête. Elle me rappelle les écolières d'alors, qui avaient des noms rococo, des noms de livres, la distribution des prix. Vert, rouge, olive, avec un ornement en vol, un titre en or. Clara de Lépeuse, Éléonore d'Herval, Victoire d'Étremont, Lord de la Vallée. Lia Fauchereuse, Blanche de Percival, Rose de Limereuil et Sylvie de la Boulay. Et je pense à ces écolières en vacances, en des propriétés qui produisaient encore, mangeant des pommes vertes, des noisettes ronces, devant le pan du parc frais, noir, au gris d'or. C'était de ces maisons où il y avait table ouverte. On y mangeait beaucoup de plats et on riait. Par la fenêtre, on voyait la pelouse verte et la vitre, quand le soleil baissait, brillait. Et puis un beau jeune homme épousait l'écolière, une très belle fille qui était rose et blanche, et qui riait quand au lit il baisait sa hanche. Et ils avaient beaucoup d'enfants, sachant les faire.